fou comme elle peut être à la fois dans la force et dans la grâce. Et je dis pas ça parce que c'est ma fille, hein. Regardez-les, ils sont tous d'accord avec moi. Vous êtes fière de votre élève, madame Vitelli. Sibyl est une danseuse de ballet, monsieur Monségur, pas un animal de cirque. Vous savez très bien que je veux la même chose que vous. C'est ce qu'elle veut, elle deviendra danseuse étoile. Sibyl Monségur, mesdames et messieurs. La plus brillante danseuse de sa génération. Un pur joyau qui porte une création d'une autre enfant de la région. La Rivière de Brillant Romanov. Une pièce de ma toute nouvelle collection. Et à cette occasion, j'ai lancé la production du ballet La Bayadère avec dans le rôle titre Mademoiselle Monségur. Sibyl portera sur scène mes nouvelles créations qui seront d'ailleurs exposées ici même dans les salons du Relais Monségur à partir de demain, avant l'ouverture de mon atelier boutique le mois prochain. Merci. Autorisation. Le temps où tu décidais de tout pour tout le monde, c'est terminé. Sibyl ne prendra pas une minute de son temps de préparation au concours de l'opéra pour faire la pub de ta verroterie. Alors, au cas où tu n'aurais pas remarqué, Sacha, les rôles ont changé. C'est moi qui commande maintenant. Et je compte bien en profiter. Quelle heure arrive le train de ta sœur? 19h45, gare Lille-Europe. Si tard que ça? C'est parce que son copain pouvait pas partir plus tôt du travail. J'ai hâte de revoir Juliette. Et puis je voudrais savoir comment est son petit copain. Moi aussi. Duncan. Non, papa, Duncan. Ah oui, Duncan, ouais. Allons, Ludo, dépêche-toi. Cool, tonton. Tu sais très bien que ça sert à rien avant ma collation. Le matin, mon corps a besoin d'énergie. Oui, et ta chambre? T'as rangé tout ton bazar à la cave? Faut vraiment que je lui passe ma chambre à l'autre Dylan. Hein. Duncan. Oui, bon. Non, parce que ça m'arrange pas trop, hein. Comment je vais travailler sur mes projets professionnels, moi, si je déménage tout le temps? Ah, tes projets, oui. Les lunettes de soleil pour chien, par exemple. Ah, vous moquez. C'est toujours moquer des grands visionnaires. Galilée, Pasteur, Bill Gates. Mais quand je serai à la tête de mon entreprise multinationale, hein, bah, je ne vous rappellerai pas que vous m'avez fait dormir sur ce canapé qui va très certainement me ruiner le dos. Oh, allez, Ludo, c'est seulement pour 3 jours. Et puis, tu peux bien faire ça pour Juliette. Évidemment, je peux faire ça pour Juliette. Et je suis ravi de revoir ma cousine chérie. Puis j'ai hâte de rencontrer la cette Angliche dont j'ai jamais entendu parler. Parce qu'à une époque pas si lointaine, Juliette, elle me demandait mon avis sur ces mecs. Mais avant, elle était au collège. Enfin, en attendant, le petit Rosebif. J'espère qu'il va pas être trop jaloux de la relation de ouf que j'ai avec ma cousine chérie. Non, parce que c'est vrai, elle et moi, on est un peu comme frère et sœur. Hein. Comme moi, je suis ton fils de cœur, hein, tonton. Ouais, tu es le garçon que j'ai jamais eu. Hein. Oh, quelle chance pour moi. En attendant, tu vas passer l'aspirateur dans ta chambre et changer les draps. Hein. Oui, d'accord. Marqué Cendrillon, là. Oh. Oui, lieutenant. Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Et tu enlèves les gâteaux de la table de nuit, hein? Bonjour, lieutenant. Alors, dites-moi tout.
La victime s'appelle Lorraine Fabian, 30 ans, célibataire et patronne de son entreprise de joaillerie. C'était la nouvelle créatrice tendance. Ses bijoux sont dans tous les magazines de mode et ils se vendent comme des petits pains. Là, elle allait exposer des pièces de sa dernière collection au Relais Montségur. Évidemment, les bijoux ont disparu. Mmh. Ça s'est passé à quelle heure? Entre 23h et minuit. La porte principale était fermée, mais pas l'entrée de service. Voyons ça. Personne n'a rien vu ni rien entendu? Non. Il n'y a pas de veilleur de nuit. Le client était déjà couché. À mon avis, l'assassin devait savoir tout ça. La cause de la mort? Coup violent à l'arrière du crâne. La victime est morte sur le coup. Cédric? Merci. Ah, vous avez déjà retrouvé l'arme du crime? Oui, cette statuette en bronze qui était là, sur l'étagère. Donc le meurtrier n'est pas venu armé. Sauf s'il connaissait déjà les lieux et qu'il savait pertinemment où se trouvait cette statuette. Mm. Bon, il y a la gouvernante de l'hôtel. C'est elle qui a découvert le corps. Merci. Bonjour, madame. Suzanne. Suzanne Launay. C'est absolument épouvantable ce qui vient de se passer. Oui, je comprends que vous soyez encore sous le choc. Vous êtes arrivée à quelle heure ce matin? 6h30. Aucun employé n'était arrivé, pas de client debout non plus. Je voulais vérifier que tout avait été remis en place après la réception d'hier. Oui, un récital de danse classique. C'est Lorraine Fabian qui l'avait organisé? Oui. Elle était revenue à Seignac pour ouvrir son atelier de bijoux. Elle voulait marquer le coup et c'est pour ça qu'elle avait décidé de prendre la petite Sibylle sous son aile. La future danseuse étoile, enfin la fille des patrons. Les Montségur? Oui. Et vous connaissiez bien la victime? Non, mais je sais que monsieur et madame Montségur la connaissaient d'avant. Un cadavre dans l'hôtel, ça va y aller là, les commentaires sur internet. Non, je suis sûr que Lorraine Fabian n'avait aucune raison de vous être désagréable. Ah non, mais c'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Bon, on peut les trouver où, les patrons? Monsieur Montségur est dans son bureau au premier étage et sa femme Joanne, je sais pas. Merci beaucoup. J'interroge le mari, vous occupez de la dame. Allez ma puce, tu vas au lycée, tu vas à ton cours de danse. Ce qui s'est passé, ça change rien pour toi et pour la suite de ta carrière. Hein? C'est pas ça, papa. T'inquiète pas, la police est là, ils vont faire leur travail. Ça va aller. Et ton père a raison. Sibylle, c'est ça, le commissaire Magellan. Je vous promets qu'on va tout faire pour essayer de retrouver le coupable. Tu devrais y aller, tu vas être en retard à l'école. J'ai besoin de parler un petit peu avec ton papa. Allez, ma puce. T'as l'air. Passez dans mon bureau. Vous devez être fier d'elle, hein. Il paraît que c'est une future ballerine. Danseuse étoile. Je le sais depuis qu'elle est toute petite. Ah oui? Vous avez dû l'encourager, certainement. Hein. Mais évidemment. C'est à ça que servent les parents, non? Après vous, commissaire. Merci. Quand j'étais petit, j'avais un vrai don pour le violon. Eh ben, ça les intéressait pas du tout, mes parents. J'aurais pu devenir un grand soliste, un virtuose, mais il y avait personne dans ma famille pour m'accompagner sur le chemin de l'excellence. Vous étiez très proche de la victime? Je la connaissais avant son départ de Seignac, même si on fréquentait pas les mêmes cercles. Mais là, elle avait complètement changé. C'était devenue une grande artiste, une vraie femme d'affaires. Un peu comme vous. Lorraine était une personne généreuse, pleine d'énergie. Passionnée par ce qu'elle faisait. Son retour à Seignac pouvait gêner certaines personnes. Vous lui connaissiez des ennemis? Non, aucun. Ah, autre chose. Vous n'aviez pris aucune mesure de sécurité pour l'exposition de ses bijoux? Non. Ouais. Il y avait un système d'alarme, mais j'imagine qu'elle n'a pas eu le temps de le mettre en marche. Ah, ben donc c'est elle toute seule qui a installé ses vitrines. T'es pas très prudent quand même, ça. Je sais, on doit le faire ensemble ce matin. Vous savez, quand Lorraine avait quelque chose dans la tête. Excusez-moi, commissaire, mais il faut que j'aille rédiger un communiqué de presse. Ah ben, je vous suis. Oui, comme ça, je pourrai visiter votre hôtel. Très bien. C'est pour votre fille que Lorraine Fabian a choisi votre hôtel pour annoncer son retour à Seignac? Écoutez, depuis que j'ai repris cet hôtel, j'organise des concerts. Que ce soit du piano ou de la musique de chambre. Et comme Lorraine voulait s'adresser à un certain type de clientèle, le choix du relais de Montségur était une évidence. Ah, mais dites-moi, ça n'a pas toujours été un hôtel, ici? Ah non. 4 générations de Montségur sont nées dans cette maison. C'était la maison familiale, jusqu'à ce que les uns et les autres quittent la région pour faire fortune ailleurs. Crise du textile oblige. Et ce sont mes grands-parents qui ont décidé de se lancer dans l'hôtellerie de luxe, plutôt que de perdre le symbole de notre lignée. Ah oui, ça je comprends. J'ai rencontré Lorraine il y a plus de 15 ans. Ça fait plein de souvenirs. Plein de... Vous la connaissiez bien. J'ai été auprès d'elle dans des moments difficiles. Lorraine a eu une enfance compliquée. Elle a été élevée en famille d'accueil et ça s'est pas toujours bien passé.
Ça ne lui a jamais rien donné, vous savez. Mais elle avait décidé de revenir s'installer à Seignac. C'était juste pour ses affaires. Quand elle a quitté Seignac il y a 10 ans, elle n'avait même pas son bac. Elle gagnait à peine sa vie comme vendeuse dans une boutique de fringues. Elle avait du talent. Elle voulait que tout le monde le sache. Oui. Excusez-moi, je sais pas si c'est important, mais j'ai une information du traiteur à propos d'hier soir. Vous pensez qu'on peut vraiment me demander de fermer l'hôtel ? Ah, je ne sais pas. C'est le préfet qui prend ce genre de décision. Franchement, ça serait la double peine. Commissaire ? Oui ? J'ai du nouveau. Un extra qui travaille pour le traiteur serait passé hier soir pour récupérer des caisses de verre et des tréteaux. Ils n'avaient pas pu les prendre à la fin du cocktail, leur véhicule était plein. Donc je m'occupe de trouver le nom du serveur. Zachary Charlet. Amoré. Pardon ? Votre serveur, c'est Zachary Charlet. Bah pourquoi ? Bah parce qu'il était là hier, parce qu'il a un casier judiciaire long comme le bras et qu'il est toujours entre deux séjours en prison. Vous connaissez pas ? Non, je connais Jimmy Charlet. Eh ben, Zachary, c'est son petit frère. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Arrête. Mais vous en savez beaucoup sur ce monsieur. Vous avez eu affaire à lui personnellement ? Ah, on peut dire ça comme ça, oui. Voilà, c'est clair. Il s'est fait engager comme extra pour repérer les lieux et piquer les bijoux. Sauf que c'est un foiré, et voilà. Oh, ben, bravo, monsieur Monségur. Vous venez d'élucider cette affaire au moins d'une heure. Oui, alors là, merci, hein, parce qu'il ne nous reste plus qu'à aller l'interpeller. Mais vous n'allez pas arrêter quelqu'un sans preuve. Ah, votre femme marque un point. Bon, je me renseigne sur son CV. Monsieur Monségur. Pardon. Venez. On va trouver un petit endroit pour parler tranquillement. On dirait que votre mari n'aime pas beaucoup le petit Charlet. Amaury n'est pas le père de Sibylle. C'est Zachary Charlet. Ah bon? Zachary et moi, on a une jolie histoire. On était très jeunes, mais très amoureux. C'était à la fois quelqu'un de tendre et d'écorché vif. Et puis il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. C'est là où j'ai commencé à le perdre. Et le révolté est devenu un délinquant, c'est ça? Oui. Il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour vol avec effraction et coups et blessures. Il a refusé que je l'attende, que je gâche ma vie pour lui. Il m'a dit que nous deux, c'était fini. Je perdais pour de bon l'homme que j'aimais. Une semaine après, je découvrais que j'étais enceinte. Vous aviez quel âge ? 17 ans. Et le père ? Je lui ai rien dit. Et puis Sibylle est venue au monde. Un an après, je rencontre Amaury et c'est le coup de foudre. Le fils de famille BCBG avec la fille-mère mise à la porte de chez ses parents. C'était totalement improbable. Quelques mois plus tard, on s'est mariés. Amaury a reconnu Sibylle devant la loi. Il est devenu son père officiellement. Et Zachary, qu'est-ce qu'il en a pensé, lui ? Depuis sa dernière sortie de prison, il a décidé de faire valoir son droit parental sur Sibylle. Ah oui, je comprends mieux, oui. Et vous, quel est votre avis là-dessus ? Je crois qu'il est sincère. J'ai décidé de lui donner une chance. Et puis Sibylle est contente de passer du temps avec son père. Elle dort chez les Charlet une fois par semaine. Et votre mari ? Je lui ai pas laissé le choix. Il a compris qu'interdire, c'était risquer qu'à la moindre crise entre Sibylle et lui, elle aille se réfugier auprès de Zachary. Ah, apparemment, Monségur n'a pas tout à fait tort. Hein. Le CV de Zachary Charlet, c'est du lourd. Depuis ses 18 ans, il fait des visites régulières au centre pénitentiaire. Cambriolage chez des particuliers, vol dans des entrepôts de marchandises, vol à la roulotte, coups et blessures. Enfin bon, ouais. Il est sorti de prison il y a un an. Et le serveur qui est revenu hier soir à l'hôtel pour finir de débarrasser ? Bah, c'est bien lui. J'ai vérifié auprès du traiteur. On a son adresse ? Oui. Il vit dans la dépendance de la salle de sport de son père, Max Charlet. Ah oui, je le connais, c'est un ancien boxeur. Hein ? Et il a un casier, lui aussi ? Non, 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 il est réglo, lui. Bah, pourtant, ça n'a pas empêché ses gamins de mal tourner. Hein. Oui, mais sa femme est morte et il lui a laissé 2 enfants en bas âge. Alors ça n'a pas aidé. Hein. Je ne comprends pas pourquoi Zachary Charlet a fait cette demande en paternité. Il ne s'est jamais intéressé à sa fille pendant 15 ans.
Ça pourrait être un chantage pour se tirer de l'argent à Maurice Monségur. Non, mais Zachary a besoin d'argent pour pouvoir justifier auprès d'un juge un logement à lui et accueillir Sibyl. Oh, de toute façon, il est pas net, ce mec. Alors, on a des problèmes de lumière, monsieur Charlet. Ah, commissaire. J'avais un ami, boxeur ukrainien, un poids léger, comme moi. Il me disait toujours, sur le ring, si tu vois la lumière, c'est que t'es KO ou c'est que t'es mort. Et vous l'avez vu souvent, la lumière? Ben, trop souvent pour devenir champion et pas assez pour entrer au paradis des boxeurs. J'aime bien venir ici. Jimmy! Oui? Le commissaire est là. Oui? Oh, Magellan. Oh, ça faisait longtemps, hein. Bah oui, depuis la série de cambriolages sur l'île, il y a quoi? Un an? Mais comment, vous avez toujours pas arrêté les coupables? Ramenez le chef de la bombe. Mais c'est qu'une question de temps et de patience. Et crois-moi, j'en ai beaucoup. Paintball, la Croix-Branche, ça vous dit? Vous êtes mes invités. C'est ma nouvelle affaire, je vous dans un mois. Non, en fait, on est venu voir Zachary. Elle est dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Lorraine Fabian et le vol de sa collection de bijoux. Ça s'est passé quand, ça? Hier soir, entre 23h et minuit. Zachary était ici. Monsieur Charlet, vous devez le savoir. C'est votre fils. Votre témoignage n'est pas recevable. Et vous connaissiez Lorraine Fabian? Oui, comme ça, quand elle était môme. Oui, on en a entendu parler par Joanne, hein. Bon, où est-ce qu'on peut trouver Zachary? À moins qu'il soit déjà en cavale. C'est vous qui êtes chargé de refourguer les bijoux? Vous cherchez mon frère. Mais il travaille honnêtement maintenant. Vous pouvez le trouver là, juste derrière le pâté de maison. Allez-y. Et bonne journée, hein. Merci. Allez-y, ça dans les coudes, levez les coudes, nom de Dieu! Protégez-vous, protégez-vous! Deux fois, c'est vous qui allez recevoir, c'est pas moi, hein! Zachary Charlet, police, on a des questions à vous poser sur le meurtre de Lorraine Fabian. On a volé sa collection de bijoux et vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante hier soir. J'ai un casier qui crie jackpot, c'est ça? Bah, je vois qu'on se comprend à demi. Depuis que je suis sorti de tôle, j'ai arrêté les conneries, d'accord? Ça fait un an que j'enchaîne les petits boulots. Veilleur de nuit, serveur, ouvrier sur les chantiers. Vous pouvez vérifier. Et qu'est-ce qui nous vaut cette soudaine conversion? Ma fille Sibylle. J'ai demandé l'autorité parentale, j'ai besoin d'argent pour louer un appartement et qu'elle puisse habiter avec moi. Ça aussi, vous pourrez le vérifier. On va faire ça. En attendant, vous allez nous suivre au commissariat. Vous verrez, c'est très bien chez nous. Et puis, le café est excellent. Je prends ma pause. Ouais, ça marche. Bonjour, Jean-Jean. Bonjour, commissaire. Merci. Tenez. Merci. Bon, on va pas se mentir, hein. On a de quoi boucler un dossier qui peut vous renvoyer en prison pour un bon bout de temps. Alors, vous étiez où hier soir? J'ai dû quitter le relais Montségur vers 22h45. Après ça, j'ai ramené le matériel chez le traiteur environ un quart d'heure plus tard. Ensuite, j'ai gardé le pick-up et je suis arrivé chez mon père vers 23h15. Après, j'ai plus bougé. Quelqu'un d'autre que votre père peut confirmer? Non. Personne. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ta soudaine obsession de paternité. Ça t'est venu comme ça, tout d'un coup. Hein? La dernière fois que j'étais en tôle, j'ai failli crever. Des types qui voulaient me racketter. Ils m'ont massacré. Alors quand je me suis réveillé, après 3 jours de coma artificiel, je me suis dit que si quelqu'un là-haut voulait bien me donner une deuxième chance, ça allait peut-être le coup de la saisir. J'ai compris que ma vie, c'était de la merde. Que j'avais rien construit, que je laisserais rien derrière, ni personne. Et c'est là que tu t'es rendu compte que tu avais une fille. Il était temps. Je sais ce que vous pensez. J'ai mis 15 ans à comprendre. Avant, j'étais un petit con égoïste. Et surtout, j'avais peur que ma fille me rejette. Et t'as eu de la chance. Sibylle doit être intelligente. Ah oui. Parce qu'elle avait un millier de bonnes raisons de refuser de vous voir. C'est vrai. Et comment ça se passe entre vous? Elle est élevée comme une Montségur. Alors j'essaie de gérer. En te faisant engager comme serveur pour la voir à son récital de danse hier, par exemple. Quand je la vois danser,
Ça me rend heureux. Et fier aussi. Mais bon, ça m'empêche pas de l'emmener jouer au foot et qu'elle aille pêcher avec mon père. C'est quand même une charlée. Ouais. Bien, tu restes en garde à vue en attendant qu'on vérifie ton alibi. J'ai pas volé les bijoux. Et j'ai pas tué Lorraine Fabian. Je crois qu'elle est sincère, non? Bah, je comprends pourquoi c'est tendu entre Amo et lui. Sibyl a maintenant deux papas. Ouais, l'un qui veut marquer son territoire et l'autre qui veut défendre le sien. Ah. Bon, je vais faire vérifier ce que Zachary nous a dit pour hier soir. Bon, bah, ça fait rien, je repasse. Zachary n'a pas tué Lorraine. Je sais ce que vous a dit mon père, enfin. Amaury. C'est compliqué, tout ça. Allez, viens. On va s'asseoir. Alors dis-moi, Sibyl, pourquoi Zachary n'a pas tué Lorraine? Parce qu'hier soir, on s'est vu sur Skype. On a parlé pendant plus d'une heure. Zachary m'a appelé dès qu'il est rentré. Tu te souviens de l'heure qu'il était? 23h20. Quand il a appelé, j'étais en train de regarder une série sur mon ordinateur. Et vous vous parlez souvent comme ça? Tous les jours. On se raconte ce qu'on fait dans la journée. Je raconte ce qui se passe au collège, mes potes, mes profs, enfin. Il veut tout savoir, c'est cool. Et ton père, qu'est-ce qu'il pense de ta relation avec Zachary? Mon père, il comprend pas. Pour lui, il faut que je choisisse. C'est lui qui m'a élevée, mais Zachary, c'est aussi mon vrai père, enfin. J'ai envie de le connaître. Je sais qu'il fait plein d'efforts, en plus. Qu'il veut vraiment s'occuper de moi. C'est pour ça aussi que je suis venue vous voir. Zachary savait très bien que Lorraine, le ballet, tout ça, c'était important pour moi. Il n'aurait jamais fait quelque chose qui puisse me faire de la peine. Vous allez pas dire à mon père que je suis venue vous voir? Mais non, non. Deux papas, deux familles, deux mondes différents, ça doit être très difficile pour toi de trouver ton équilibre. Surtout quand on veut faire de peine à personne. C'est comme si j'avais des parents divorcés qui se détestent. Sauf que c'est mes deux papas. Et ta mère comme arbitre? Elle est cool, maman. C'est pas facile pour elle. Je sais qu'elle fait tout ça pour moi. En tout cas, ils ont de la chance d'avoir une fille comme toi. Il y a un tracker GPS dans le pick-up du traiteur, vous savez, comme sur les poids lourds. Et j'ai récupéré les infos. Zachary a quitté l'hôtel à 22h42 et il est arrivé chez lui à 23h07. Et après, il n'a pas bougé. Il était avec sa fille sur Skype. Bon, tu restes à la disposition de la justice, comme on dit, c'est-à-dire que tu quittes pas Signac et que je dois pouvoir te joindre jusqu'à la fin de l'enquête. C'est clair? Pourquoi j'ai été votre premier suspect? Quelqu'un vous a parlé de moi, c'est ça? C'est Amaury, hein? Il n'a pas supporté de me voir hier soir au récital de danse. Il pense que j'ai rien à foutre dans son monde. Ouais. Alors que tout le monde sait que vous êtes un grand amateur de musique classique et de ballet. Non. D'ailleurs, au début, je voulais même que Sibyl arrête la danse. Je pensais que c'était Amaury qui la forçait. Et tu t'es rendu compte que c'était sa passion, hein? Sibyl a un don. Quand je la vois danser, je sais pourquoi je travaille du matin au soir. C'est pour que ma fille soit fière de son père. Sibyl sait très bien ce que tu fais pour elle. Et que tu es sincère, alors je t'en prie, ne gâche pas tout. Alors, lieutenant, vous avez trouvé votre bonheur dans les affaires de la victime? Ah oui, on peut dire ça, oui. Une enveloppe de 30 000 euros en liquide dans le coffre de sa chambre au relais Monsignor. Un ami devrait s'intéresser de plus près à son affaire de bijoux. Lorraine Fabian a vécu à Seignac jusqu'à l'âge de 20 ans. J'aimerais bien en savoir plus sur son passé. Ok. J'ai aussi récupéré les témoignages de tous les employés du traiteur qui étaient là hier. Et apparemment, il y aurait eu une passe d'armes un peu tendue entre la victime et la prof de danse de Sibyl, Sacha Vitali.
Ça aurait chauffé à propos d'un ballet produit par Lorraine pour Sibyl et du concours d'entrée de l'Opéra de Paris. Monsieur Vitali, attendez. Vous la connaissez? Je crois, oui. Ah oui, c'est une ancienne danseuse. Oui, c'est Florence qui a écrit un article sur elle dans son journal, oui. Elle va tout me dire, sur tout ce qu'elle n'a pas pu écrire. Moi, je vais déjeuner. Ah, bon, ben, bon appétit, alors. Oui, ben, bon courage, lieutenant. Hein. Merci. Sacha Vitali était première ballerine à l'Opéra de Paris. Voilà. C'est une blessure au genou qui a mis fin à sa carrière, merci. Ah bon? Ça n'a pas fait pleurer grand monde. Pourquoi? Dans le métier, tout le monde la détestait. Elle était à mort dans la compétition avec les autres danseuses. Au point d'employer des moyens un peu limites. Hein. Ah oui, du genre... Des éclats de verre dans les chaussons de danse, t'imagines? Enfin bref, tout le monde a pensé qu'elle méritait bien sa blessure. C'est là qu'elle décide de venir s'installer à Seignac, dans une vieille maison de famille. Elle rencontre un médecin. Qu'elle épouse et qui lui fait rencontrer Amaury Monseigneur. Amaury qui crée l'Académie de danse de Seignac. Il engage Sacha comme directrice et là, c'est le gros carton. 300 élèves par an, enfants, adultes. Il double les tarifs en 10 ans. Mais c'était pas l'argent, son moteur. Non, ce que Vitali espérait secrètement, c'était prendre sa revanche. C'était former une danseuse étoile. Une disciple qui lui rendra un peu la lumière qu'elle avait perdue. Et la petite Sibyl. Exactement. Et qu'est-ce que tu penses de cette femme? Intelligente, séduisante, un mélange de charme et de poigne. Ah tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est les yeux de l'amour, ça. À propos, le petit Duncan, il arrive quand? En fin d'après-midi. Je lui ai donné la chambre de Ludo. Il va être content. J'ai hâte de le voir, ce Duncan. Enfin, je suis sûre que si Juliette est amoureuse de lui, c'est quelqu'un de bien. Ouais, que Dieu t'entende. Et Ludo aussi, d'ailleurs. Bien centré, le dos, le menton. Les yeux, le regard droit devant. On y retourne. 7, 8. Arrondi. Les doigts détendus. Généreuse. Tap, tap, trop lent. C'est pas ça. Changement de pied. Allons. Net, net. Trop lent, net. Tire les épaules. Généreuse, de l'émotion, du sourire. Inspire. Tap, 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 tap. Tire. Les poings tendus. Tu peux faire beaucoup mieux, Sibyl. C'était un peu particulier aujourd'hui. Hein? Bravo. Merci. Bonjour, Madame Commissaire Magellan. Tu peux y aller. Vous devez être aux anges avec une élève comme ça. Je comprends pourquoi Amaury Monségur vous a engagé quand il a créé cet endroit. Transformer ce diamant brut en joyau. Très à propos, la métaphore. Je suppose que vous êtes venu me voir pour le meurtre de Lorraine. Lorraine Fabian a passé une partie de sa jeunesse en famille d'accueil et on vient d'apprendre qu'elle avait été hébergée chez vous. Quand j'ai su que je ne pouvais pas avoir d'enfant... Mon mari et moi avons décidé d'ouvrir notre porte et notre cœur à ce que la vie n'avait pas ménagé. C'est très touchant, mais le problème, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais alors, pas du tout. Lorraine a fugué. Elle a même essayé de porter plainte pour séquestration, harcèlement moral, violence psychologique. C'était faux, évidemment. Elle devait vraiment vous détester pour vouloir faire ça. Son retour, ça a pas dû être une très bonne nouvelle pour vous, non? Ça explique votre altercation avec elle hier soir, juste avant sa mort. Une mort qui vous arrange un peu, n'est-ce pas? J'ai tout raté avec Lorraine. Quand elle est arrivée chez nous, c'était une adolescente écorchée vive, pleine recherche identitaire. Elle avait besoin d'amour, d'être rassurée. J'ai pas compris. J'ai essayé de la mettre au pas, de la traiter comme une de mes élèves, je me suis trompée. C'était une expérience très douloureuse, pour elle comme pour moi. Elle pouvait vous faire une très mauvaise réputation auprès des Monségur. Qui a envie de laisser sa fille avec une femme accusée de cruauté mentale? Hier, je me suis accrochée avec Lorraine. Comme peuvent le faire deux femmes qui ont du caractère. Et puis, je suis retournée la voir un peu plus tard. Pas pour la tuer, non. Pour lui demander pardon. Pour lui dire que j'avais compris toutes les erreurs que j'avais faites avec elle. Trop de temps, plutôt. Assez de temps avait passé. Elle vous a donné l'absolution? Elle a été touchée par ma démarche. On a parlé de nos vies, de nos souvenirs. On a ri, un peu pleuré aussi. Comme si rien ne s'était passé. Comme deux femmes qui doivent trouver un terrain d'entente parce qu'elles ont une priorité commune.
J'avais accepté de chorégraphier le ballet que Lorraine voulait monter avec Sibylle. Pour de l'argent? Combien? Je ne sais pas. Donc les 30 000 euros qu'on a retrouvés dans la chambre de Lorraine Fabian, c'était pas pour vous? Non. Merci, madame. D'accord, très bien, merci. Alors? Bon, c'était le banquier de Lorraine Fabian. Les 30 000 euros étaient destinés à Amaury Montségur. Ah. Au départ, ça devait être un virement sur son compte, mais il a exigé du cash. Elle a donné un motif au banquier pour retirer une telle somme? Non, aucun. Je sais que c'est toi qui m'as balancé aux flics. Sibylle est allée les voir toute seule et je veux plus jamais que ça recommence. Je pense pas que les flics aient besoin de moi pour te mettre en garde à vue. J'ai jamais rien dit de mal sur toi devant Sibylle, pas un mot. Comme Joanne me l'avait demandé. On pourrait peut-être faire ça à la loyale, non? Mais tu crois quoi? Tu crois que si t'étais pas dans ta situation, Sibylle serait allée voir les flics? Hein? Mais en plus, je veux plus jamais que ça arrive. Donc la seule solution, c'est que tu sortes de sa vie. Toi et moi, on sait très bien que tu vas recommencer, de toute façon. T'as ça dans le sang comme ton frère. C'est ma fille. Je l'abandonnerai jamais. T'as fait quoi il y a 15 ans? Qu'est-ce qu'il a adopté, Sibylle? Qu'est-ce qu'il a élevé? Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qui a tout fait pour elle? C'est moi. C'est moi, son père. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas un juge qui donnera l'autorité parentale à un tolard récidiviste. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me frappais? Allez, vas-y. Allez, viens. T'en meurs d'envie. Zachary. À ta place, je ferai pas ça. Ne vous inquiétez pas. Je sais parfaitement ce qu'il veut. Il a peur. Il a raison. Sibylle, c'est ma fille et je lâcherai pas. Moi aussi, j'ai à vous parler. Dites-moi, c'est pour les 30 000 euros qu'elle voulait plus vous donner que vous avez tué Lorraine Fabian et volé ses bijoux? Quoi? L'argent, c'était pourquoi? C'est un acompte sur la vente de l'Académie de danse. C'est trop de travail pour moi à gérer. Je voulais me recentrer sur l'hôtel. Bon. Oui, bien sûr. Oui. Lorraine avait insisté pour que je lui vende. Ça semblait important pour elle, bon. Ouais, c'est comme ça que vous avez réussi à lui soutirer 30 000 euros en cash. Je peux voir l'acte de vente? Mais justement, j'ai reçu un projet de contrat hier, j'ai pas eu le temps de le lire. Oui, mais moi j'ai le temps. Allons-y. Lorraine Fabian rachetait l'Académie de danse pour vous mettre dehors. C'est écrit noir sur blanc et c'est non négociable. Elle allait verser une fortune à Amaury Montségur pour être sûre de boucler la transaction. Elle vous en voulait toujours. Assez pour vous faire perdre votre cours de danse et la petite Sibylle. Et ça, c'était impossible pour vous. Et c'est pour ça que vous l'avez tuée. Quand je suis retournée voir Lorraine, la première chose qu'elle a faite, c'est de me dire qu'elle rachetait l'Académie et qu'elle n'avait plus besoin de mes services. Mais je lui ai très vite fait changer d'avis. Ah oui? Sibylle est mon élève depuis qu'elle a 4 ans. Lorraine a compris que j'étais la seule à pouvoir l'amener à l'excellence. À en faire l'étoile qui ferait vendre ses créations. Évidemment. Lorraine était devenue une femme d'affaires avisée, vous savez. Elle n'avait plus rien de la gamine écorchée vive que j'ai vue débarquer chez moi il y a 15 ans. Oui, mais elle n'avait pas oublié. Elle vous aimait pas. Peut-être. Quand on veut réussir, il faut savoir sacrifier ses sentiments personnels à des intérêts plus prosaïques. C'est ce que Lorraine a fait. Apparemment pas qu'avec moi. C'est-à-dire? J'ai compris que Lorraine était aussi revenue à Seignac pour remettre de l'ordre dans ses affaires. Des choses dont j'ai bien senti qu'elle n'était pas très fière. Comme quoi, par exemple? Mais j'ai supposé que sa réussite professionnelle n'a pas dû être un long fleuve tranquille. Lorraine Fabian n'avait pas d'homme dans sa vie, pas d'amis proches, pas de famille. Sa réussite, sa revanche sociale, c'est tout ce qui comptait dans sa vie. Et ça passait par sa nouvelle collection de bijoux. Ouais, j'ai interrogé des bijoutiers, des revendeurs. Et ce qui ressort, c'est qu'elle a cartonné très vite avec des produits de qualité, mais surtout très bon marché. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne n'a voulu lui prêter de l'argent. Les banques lui ont claqué la porte au nez. Oui. Alors la question, c'est de savoir comment elle a pu financer sa première collection, parce que ça coûte de l'argent. Elle disait à tout le monde qu'elle avait reçu un héritage, mais on a vérifié les sommes, ça correspond pas du tout à la création d'une nouvelle collection de bijoux.
Bon, alors j'ai peut-être quelque chose. Il y a un numéro qui revient fréquemment, et un peu trop d'ailleurs, depuis 4 jours dans le relevé des appels reçus par Lorraine. Et ben voilà. Le numéro est déjà sorti dans 2 affaires de cambriolage chez des particuliers, avec vol de bijoux. 2 affaires dans lesquelles on a dû relâcher Jimmy Charley, manque de preuves. Intéressant, ça. Alors, Max, on cherche toujours la lumière. Ah. J'avais un copain ukrainien, un boxeur, qui me disait toujours, sur le ring, si tu vois la lumière, c'est que t'es mort. Ou que t'es KO. Ah, je vous l'avais déjà raconté, ça y est, je radote. Non, mais trouve-toi une copine. Voilà, j'arrête pas de lui dire, papa, tu peux pas rester tout le temps tout seul comme ça. Il en fait qu'à sa tête. Si vous cherchez Zachary, il est toujours sur son chantier. Non, c'est à toi qu'on veut parler cette fois-ci. Ah bon? Ah ben, il y avait longtemps. Ouais, bon, bah ça va aussi, c'est bon. Bon, papa, tu veux pas aller voir le ventilo là-bas? J'ai vu que la fixation était un peu rouillée, j'ai peur qu'elle tombe sur un client. T'as raison, ouais. Ouais. Paintball ou accrobranche? Vous avez réfléchi? C'était pas la peine de vous déplacer. Un petit coup de fil et hop, je vous mettais sur la liste des VIP. Vous nous avez dit que vous connaissiez Lorraine Fabian seulement de nom. C'est amusant parce que tu lui as passé 10 coups de téléphone en 48 heures juste avant sa mort. J'ai essayé de taper Lorraine pour qu'elle mette de l'argent dans mon affaire, voilà. J'ai besoin de 5000 balles pour remettre aux normes de sécurité, c'est tout. C'était un peu insistant, c'était pas méchant. Écoute, j'aime bien ton père, c'est pourquoi je vais pas m'énerver tout de suite, mais il va pas falloir abuser très longtemps, hein. Lorraine avait besoin d'or bon marché pour ses collections de bijoux, et c'est vous qui lui en avez fourni. Mais de l'or qui provenait des cambriolages auxquels t'as participé. Je lui ai vendu de l'or, d'accord, ok, mais j'ai jamais rien volé. J'ai servi de mont-de-piété, voilà. Avec la crise, il y a des couples, ils arrivent plus à joindre les deux bouts. J'ai racheté leurs bijoux contre de l'argent pour qu'ils arrivent à boucler les fins de mois. Ah, très généreux de votre part. Et Lorraine avait fait une commande chez un fournisseur légal pour sa nouvelle collection de bijoux. Elle ne voulait plus entendre parler de toi. Ça, c'était un très gros manque à gagner pour vous. Alors, vous avez voulu vous dédommager en lui volant ses bijoux, sauf que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et tu l'as tué? J'ai jamais tué personne, moi. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Ouais. Dommage. Tu connais la chanson, hein? Garde à vue, nuit en cellule. Allez! T'as mis du champagne au frais? Et des bières, hein. C'est un anglais quand même. Hop! Mais tu vas pas rester comme ça, non? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce pull? C'est une surprise pour ta sœur, un truc entre elle et moi. C'était le pull de la colo en Autriche, quand j'étais mono. Elle était venue me rejoindre une semaine, elle s'était éclatée. Elle va halluciner. T'es sûr? Ils sont là! Ah. Bah, Juju, j'y vais. Papa! Bonjour, ma chérie. Mmh. Mmh, je suis content de te voir. Moi aussi. C'est mon petit monstre, ça? Mmh. Bon, bah, hashtag l'homme invisible, hein? Ludo. Mmh. Mmh. T'as vu? Hein? Papa, je te présente Duncan. Ah, bonjour Simon. Bonjour Duncan. Ça, c'est ma petite sœur chérie. Bonjour. Et Ludo, mon cousin. Bonjour Ludo. Ludovic. Tu peux t'occuper des affaires, s'il te plaît? Oui. Florence dîne avec nous ce soir? Bah, évidemment. Super. Bon, bah, Duncan vous a apporté des petits cadeaux. Ouais. Ah, j'ai bien ça, les petits cadeaux, moi. Allez, viens, je vais te faire visiter la maison. Hop, je vais te prêter ma chambre. Et tu vas voir, faut faire très attention. I'm sorry, je suis toute confuse. Ah bah oui, t'es toute confuse, la tabatière de mamie Jacqueline. Oh là là. C'est tout ce qu'elle nous avait laissé. Bon, c'est pas grave, ça se répare, ça. Donne-moi ça. Bon, viens avec moi, je prends ta valise. Tu fais attention. T'as vu le briquet, regarde. Oh, ah oui, ça coupe le cigare en plus. T'y arrives pas? Attends, je vais t'aider. J'adore. J'adore. Moi aussi. Merci, Duncan. Très bonne idée, ce briquet à cigares. Et tu sais que c'est le même que Winston Churchill? Oh. Ah ouais? Vraiment, bravo, Duncan. Je suis vraiment désolé, Ludovic. Non, mais c'est pas grave. Hein. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier des sacs dans le train. Dommage que ce soit le sac avec mon cadeau, quoi. Oh, allez,
Je suis sûre qu'on la trouve aussi en France, la casquette de Sherlock Holmes. Oh, on va pas passer la soirée là-dessus. Ludo, s'il te plaît, tu peux aller chercher du champagne? Oui, bien sûr. Alors, comment ça marche, ça? So, just there. Just there. Allez, Ludo, tu peux faire ça. Oui, super, d'accord. Merci, d'accord. Je sais toujours pas comment vous êtes rencontrés tous les deux. C'était au grand magasin, là où elle travaille le week-end. J'étais dans mon rayon parfumerie, chez Wellington's. Puis ça faisait plusieurs fois que je remarquais un petit bizarre qui était là, genre, je cherchais un parfum. Il me regardait tout le temps, mais en cachette. C'est mignon. Oui, enfin, sauf que moi, je me suis pas dit une seconde qu'il s'intéressait à moi. Moi, j'étais persuadée qu'il était là pour piquer des parfums. Pas fille de flic pour rien. Hein. Bon, du coup, un jour, je deviens parano. Je suis persuadée qu'il a piqué un flacon. Donc j'appelle la sécurité, qu'il embarque devant tout le monde. Mais non. T'as bien fait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il travaillait aussi chez Wellington's, le 7e au rayon sport. Il avait juste flashé sur moi. Du coup, j'ai fait ma déclaration à Juliette, mais j'avais la... Les menottes. La menotte, et c'était devant les policemen. Bon, du coup, pour me faire pardonner, je l'ai invitée au resto. Et c'est là qu'elle est tombée amoureuse. J'adore. À l'amour. Je voulais vous dire merci pour l'accueil, c'est très très gentil. Et, well, I feel like home now, thank you. Mais vraiment charmant, ce garçon. Tu devrais le garder. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Londres aussi? Mes parents, c'est en Scotland. Ils, en Écosse. Ils travaillent dans la terre, c'est la lande, c'est... Well, it's really hard to explain, so... Oh, qui veut du foie gras? Ah non, mais pas celle-là, je suis horrible dessus. Tiens, Duncan, regarde, ta copine a 16 ans en pleine explosion d'acné. T'as vu la tête? Non, mais t'es nulle. C'était il y a longtemps et puis j'étais malade en plus. Oh, you're beautiful, darling. Thank you. Oh, ils sont trop mignons. Juliette a peut-être déjà trouvé l'homme de sa vie. Oui, il est cool, Duncan. Il est gentil, tout ça, mais... Mais quoi? Je sais pas, il y a un truc qui... Il a oublié ton cadeau dans le train. Mais non. Ludo! Ludo, viens voir, on a trouvé des photos de toi dans ta période punk. Tu étais aussi le Rasta, Ludo. Allez, vas-y, tu vas voir. T'as bien dormi, ma chérie? J'étais épuisée du voyage. Ah! T'as dû te lever très tôt pour préparer tout ça. Merci, Duncan. C'est le vrai English breakfast. Hein? Et j'espère qu'il te fait ça tous les matins. Le week-end, j'adore faire la cuisine. Mmh, en tout cas, c'est excellent. Tu peux revenir quand tu veux. Oui. C'est du pain perdu, ça? Oui, c'est du French toast. Hein? French toast. French toast. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh ben, merci de m'avoir attendu. Vous voulez pas travailler? Who wants bacon? Ah! Pardon, Ludovic, c'est ta place. Non, 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 il n'y a pas de place réservée ici. Ah. Bah, tu peux laisser Duncan à côté de Juliette. Oui, oui. Elle est où, ma brioche vendéenne? Oh, je l'ai pris pour faire du pain perdu. Tu veux goûter? Non, merci, je ne digère pas très bien ça. Et sinon, vous faites quoi aujourd'hui? Bah, je vais lui montrer Seignac. On va faire un petit tour dans le vieux Lille, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais me dis pas que tu fouilles dans les affaires de Duncan. Non, non, pas du tout, ça s'est tombé. C'est... Et la tabatière, c'est pas moi qui l'ai mis là, hein, promis. Hein. Attends, j'ai ramassé tout ça et... Tu crois que c'est une vraie? Oh, c'est impossible, ça coûte une fortune, ça. Regarde, il y a un truc gravé sur la bague, genre des armoiries d'Aristo. Oui, bon, Ludo, ça va. Enfin, c'est de l'or. Comment il peut avoir ça dans ses affaires? Il bosse dans un magasin. Oui, bon, il y a sûrement une explication. En attendant, tu dis rien à personne. Bonjour, lieutenant. Commissaire. Alors, l'avocat de Jimmy Charley est passé. Sans preuve, on ne va pas pouvoir garder son client très longtemps. Jimmy Charley veut pas d'avocat. C'est bien la première fois. Bah, il répète qu'il n'en a pas besoin parce qu'il n'a pas tué Lorraine Fabian et que s'il l'appelle, ça voudra dire qu'il est coupable. Ah bon. Il faut que tu parles, Jimmy. Sinon, cette fois-ci, tu vas plonger. On pourrait peut-être commencer par parler des bijoux que vous aviez... Le recel, oui, d'accord. J'ai revendu l'or que j'ai fondu sans autorisation. Bien. On avance. Tu crois pas qu'il serait temps de décrocher, hein? Au moins pour ton père. La salle de sport de Max, elle perd de l'argent depuis 10 ans. C'est moi qui couvre les pertes, en m'arrangeant avec le comptable pour que mon père s'aperçoive de rien.
Le paintball et l'acrobranche, ça va marcher à plein quoi, 5 mois par an? Ah, alors pourquoi t'as repris cette affaire? Parce que j'ai une famille à nourrir, que j'ai aucun diplôme. Que je suis un peu trop vieux pour changer de crèmerie. Je vous jure que j'aurais voulu être honnête, commissaire. Mais j'ai pas les moyens. L'important, c'est que Zachary, lui, il puisse le faire. Même si ça a un prix pour moi, l'important, c'est qu'il puisse récupérer sa fille. C'est vous qui avez annoncé à Zachary sa paternité quand il est sorti de prison? Heureusement. C'est pas Joanne qui l'aurait fait, ça. Hein. Vous l'aimez pas beaucoup, hein? Elle a tout fait pour que ma nièce devienne une vraie bourge. Une petite poupée Montségur. Et Sybille, c'est une vraie charlée. Et tu crois pas que c'est mieux pour Sybille, au lieu de passer ses week-ends au parloir de la prison pour voir son père? En tout cas, elle a bien joué son coup, la Joanne. Surtout que pour Amaury, elle n'a jamais été rien d'autre qu'un lot de consolation. Comment ça? Amaury, le fils de bonne famille. Il était red dingue de Lorraine quand ils avaient 20 piges. C'est que quand Lorraine a quitté Seignac, que l'autre, elle a pu lui mettre le grappin dessus. Mais enfin, Amaury l'a quand même épousé. Ouais. Pour emmerder ses parents. Épouser une fille mère, d'une famille d'ouvriers. C'était le top de la rébellion, ça, pour Amaury. Mais moi, j'ai jamais cru qu'il avait oublié Lorraine. Jamais. Jimmy n'est pas notre assassin. S'il avait tué quelqu'un, il aurait bétonné un alibi. Ouais, tuer Lorraine, c'était prendre le risque de passer 10 ans en prison. Et financièrement, sans lui, sa famille n'aurait jamais pu survivre. Hein? Bien sûr que je me souviens. Vous savez, je suis entrée comme femme de chambre ici, j'avais 23 ans. Vous confirmez donc qu'Amaury Montségur et Lorraine Fabian étaient amants? C'était même le grand amour, tous les deux. Lorraine était déjà une très belle fille, avec un sacré caractère. Enfin, comme Amaury d'ailleurs. Mais ça, oui, pour l'avoir aimée, on peut dire qu'il l'a aimée, oui. Ça a été très dur pour lui quand elle a quitté Seignac. Oui, mais bon, après, il a rencontré Joanne. Oui, c'était différent. On va dire que Joanne a fait un beau mariage. Et Amaury, comment a-t-il réagi après avoir retrouvé son grand amour de jeunesse, après tant d'années? Il est troublé, c'est normal. Madame Launay, si on découvre des choses que vous nous avez pas dites... Il visitait une maison samedi dernier pour Lorraine. Je leur avais donné l'adresse, c'est une amie à moi qui vont. Et quand je suis revenue du marché vers midi, je les ai trouvés en train de s'embrasser. Vous en avez parlé à quelqu'un? Ah non, non, à personne. Alors certainement pas à Joanne. À ça, je peux vous garantir que c'est pas moi qui lui ai dit. Pourquoi? Elle était au courant? Je sais pas, je les ai entendus se disputer violemment dans le bureau d'Amaury, ça criait et... Et je vous jure que Joanne savait ce qui s'était passé avec Lorraine, oui. Et tout le monde connaît ça, madame. 10 ans de mariage, l'usure de couple, le quotidien, la routine. En plus, ça doit être très difficile de travailler avec sa moitié. Et surtout quand l'amour de jeunesse de votre mari refait surface. Votre copine Lorraine, qui était séduisante, volontaire, prête à tout. Mais la magie n'a pas tardé à opérer. Jeu de séduction, retour de flamme, et puis surtout, ce baiser. Oui, on est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari s'est rendu compte qu'il s'était trompé, c'est ça? Il était toujours amoureux d'elle. Et vous ne l'avez pas supporté, donc vous l'avez tué, en faisant croire à un cambriolage pour brouiller les pistes. Il ne s'est rien passé entre eux. Mon mari m'a juré que Lorraine l'avait remis à sa place. J'étais son amie. Et elle voulait uniquement se consacrer à son travail. Oui, pourquoi pas. Mais enfin, Lorraine restait une menace pour votre couple. C'était une tentation pour votre mari. Un jour ou l'autre, vous pouviez tout perdre. J'ai pas tué Lorraine. Après ce qui s'était passé entre elle et Amaury, j'ai décidé de prendre l'air. De faire une pause dans mon couple. S'il la désirait encore, c'est peut-être qu'il s'était trompé pendant toutes ces années. Moi aussi. Une dernière question. Comment avez-vous su pour le baiser si Suzanne Launay vous a rien dit? Je suis passée en voiture par hasard devant cette maison qu'il visitait. Vous mentez, madame. Merci, je vous en prie. C'est Mac Charlet qui m'a prévenu. Il a vu Lorraine et Amaury. Sa salle de sport est juste à côté de la maison qu'ils ont visitée. Il vous aime bien, Max, hein? Oui. Quand Zachary était en prison et que j'étais enceinte de Sybille, il m'a engagée comme hôtesse d'accueil dans sa salle de sport. C'est grâce à lui si je m'en suis sortie. On est restés très proches. Je vois. Pardon. Oui? Oui? Chambre 25? J'appelle le plombier tout de suite. Une urgence. Vous ne quittez pas Seignac, madame Montségur.
pas encore pour cette fois, hein, commissaire. Libération sous contrôle judiciaire. Mais je te rappelle que tu es toujours mis en examen pour recel de bijoux volés. Vous pensez que je dois prendre un avocat, c'est ça? Oh, je sais pas. Le complet de vos poches, une petite signature, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire des rapports entre ton père et Joanne Monseigneur? Vous avez vraiment le don d'appuyer là où ça fait mal, vous. Tu sais, j'en ai même fait mon métier, moi. Ben, je comprends pas pourquoi mon père passe son temps à la défendre, c'est tout. Elle a quand même fait un enfant dans le dos de mon frère. Mais peut-être parce que Joanne fait tout pour que Sybille trouve sa place entre les Charlet et les Monségur. Peut-être. Et les parents de Joanne, ils sont où? Je pense qu'ils habitent dans le sud maintenant. Ils ont foutu leur fille dehors quand ils ont appris qu'elle était enceinte à 17 ans. Et d'un fils Charlet en plus. Zachary était en tôle. Max a recueilli Joanne et s'en est occupé comme si c'était sa propre fille. Ah oui, c'est ça que t'as pas aimé, hein? Un peu, ouais. Il est comme ça, mon père, c'est un mec bien. Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été le fils qu'il voulait. Entre Zachary et moi, sans notre mère, ça a dû être dur pour lui. Certainement, oui. Allez, bon courage. Hein. Merci. Esquive, voilà, très bien. Prends de gauche, esquive, voilà, très bien. Lève les coudes. Bouge, vas-y. Remets, voilà, très bien. Belle esquive, bien, ça c'est bien. Ouais, elle s'ébrouille bien la petite, hein. Ah. J'étais pas mal, ma puce. Ça, c'est ma petite fille. Ça, c'est une vraie Charlotte. T'inquiète pas, je dirai rien à ton père ni à ta prof de danse. On travaille surtout la souplesse, la rapidité. Puis finalement, la danse et la boxe, c'est du sport. Vous avez 2 minutes, monsieur Charlet? Oui. Tu vas prendre ta douche, ma puce? Merci, c'était génial. Bon, allez, entraînement terminé pour aujourd'hui. Merci. Oui, c'est moi qui ai prévenu Joanne. J'avais peur que son mari l'abandonne pour cette fille qui lui a toujours fait tourner la tête. Vous vous êtes pas contenté de ça, Max. Vous avez menacé Lorraine Fabian. Après son avocat, elle avait l'intention de déposer plainte contre vous, mais elle s'est étrangement rétractée le jour du meurtre. Un hasard, évidemment. On vous a vu à l'hôtel ce jour-là. C'est vous qui avez accompagné Zachary. Il faut nous parler, Max. Je voulais pas faire peur à Lorraine. Je voulais juste la mettre en garde. J'ai fait ça pour Joanne. Je trouvais ça tellement injuste. Je voulais la protéger. Pourquoi? Parce que disons que depuis le début, je me suis toujours senti un peu responsable des conneries de Zachary. Alors, depuis sa grossesse, j'ai toujours un œil sur Joanne, même de loin. J'ai essayé de rester un confident discret et attentif. Oui, mais en éliminant Lorraine, vous sauviez pour de bon le couple Monségur, et puis surtout vous empêchiez Joanne d'être jetée à la rue encore une fois. Bon, d'accord. J'ai menacé Lorraine, c'est vrai, j'ai insisté, elle a mal réagi. Puis finalement, j'ai compris qu'elle se foutait complètement d'Amaury. Comment ça? Elle m'a dit que c'est lui qui a essayé de l'embrasser. Elle a réussi à le repousser. Mais pourquoi Lorraine a retiré sa plainte alors? Parce qu'elle a compris que j'avais fait ça pour Joanne. Elle voulait même lui offrir un boulot de relations publiques pour sa marque de bijoux. Joanne nous a dit qu'elle allait quitter Seignac avec Sybille. Je pense que Lorraine voulait vraiment faire quelque chose pour Joanne. Qu'elle était sincère. Et je vois que vous avez fait le plein de fruits et légumes, lieutenant. C'est important de manger équilibré. Là. Bah quoi? Ananas, poivrons, tomates? Oui. Oh, quelle mauvaise foi, non. Si ça continue, vous allez devoir épouser mon neveu. Merci. Mais au fait, comment ça se passe, d'ailleurs, avec le petit copain de votre fille là? Vous avez l'air bizarre en arrivant ce matin. Non, pas du tout. Ça se passe très bien. Ouh, ça va bien. Ah, pardon. Eh ben voilà. Je sais pourquoi Amaury Monségur n'a pas pris d'avocat pour se défendre contre Zachary. Il a plus un rond. Son hôtel est presque entièrement sous hypothèque. Et
puis alors... Ah ben ses comptes sont carrément dans le rouge, regardez. Ouais. D'où la vente de l'Académie de danse à Lorraine Fabian. C'est très intéressant, lieutenant. Venez, on déjeunera plus tard. Tiens. Monségur n'est pas là, mais je peux peut-être vous renseigner. Dites-moi, Suzanne, entre nous, ça marche pas terrible, les affaires, en ce moment, hein? Ben, si, on est quasiment complet à partir du week-end prochain. Non, vous bradez les chambres à 50% pour garder la tête hors de l'eau. Enfin, de toute façon, depuis que les gens louent leur maison sur Internet, on a perdu un tiers de notre clientèle. Il y a 5 ans, ici, c'était l'endroit le plus chic de la région. Ça disemplissait pas et je peux vous dire qu'il y avait que du beau monde. Mais un hôtel, ça s'entretient, il faut rafraîchir, investir. Mais c'est bien l'idée de Monsieur Monségur. Ben, peut-être, mais pour ça, il faut de l'argent. Il en a plus du tout. Ah non, mais il a des relations. Ben, tenez. Cette pauvre Lorraine Fabian, elle avait investi 50 000 euros, et à titre personnel. Il est où, déjà, le bureau du patron? Ici, au premier étage. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Ben, figurez-vous qu'on passait vous voir, et en ouvrant la porte, il y a eu un grand courant d'air. Alors, tous vos papiers sont envolés. En les ramassant, tout à fait par hasard, hein. On est tombé là-dessus. Montrez-lui, lieutenant. Deux lettres recommandées de Lorraine Fabian exigeant le remboursement des 50 000 euros qu'elle vous avait prêtés. Oui, mais c'est une situation temporaire. J'allais évidemment... Rembourser Lorraine, c'est-à-dire vendre les dernières parts de votre hôtel. Alors adieu la maison familiale des Montségur. Mon Dieu, c'est lourd à porter, ça. Alors vous l'éliminez pour éviter l'humiliation et la ruine. Pour les 50 000 euros, c'était réglé. J'avais trouvé un arrangement avec Lorraine. Ça concernait Sibylle. À la rentrée prochaine, Sibylle part s'installer aux États-Unis pour intégrer la Juilliard School à New York. C'est une chance unique. Et en contrepartie, Lorraine devenait son agent et mécène principal pour une durée indéterminée. Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas pris d'avocat contre Zachary. Oui, même s'il récupérait l'autorité parentale, Sibylle serait installée depuis bien longtemps aux États-Unis. J'ai fait cela pour le bien de ma fille, monsieur. Vous avez vendu votre fille pour garder votre hôtel et vous débarrasser de son père naturel. Vous êtes un égoïste, Amaury, un minable. Je dirais même un salopard. Venez, lieutenant. Je n'ai jamais été dupe de l'intérêt personnel de mon mari dans cette histoire. Sauver le relais Montségur. Moi, j'ai pensé à ma fille. Je voulais qu'elle réalise son rêve. C'est pour ça que j'ai accepté. Lorraine, vous avez proposé de partir à New York avec Sibylle, c'est ça? Oui. Avec un contrat d'attaché de presse pour sa marque de bijoux. Vous nous avez dit que vous alliez faire le point sur votre couple. Excusez-moi, mais avec 6000 kilomètres et un océan entre vous et votre mari, c'est plus un point, là, c'est carrément une rupture. Vous alliez quitter votre mari avec l'aide de votre ami. Zachary était au courant que sa fille allait partir au bout du monde? Pas encore. Mais j'avais demandé à Lorraine que Zachary puisse venir le plus souvent possible. Je voulais qu'il trouve un boulot là-bas. Je lui aurais jamais enlevé Sibylle. Pas après m'être autant battue pour qu'il noue une relation avec sa fille. Quelqu'un a été au courant de votre départ? Lorraine et Sibylle. Je voulais pas en parler avant d'être sûre. Ah, Sibylle parle beaucoup avec son père. Si jamais il a appris que Lorraine voulait l'emmener aux États-Unis... Je suis fière de toi, tu sais. C'est bien d'avoir un don, mais ça ne suffit jamais. Tu as travaillé, dur, plus qu'aucune de mes élèves. C'est pour toi. Ce sont les mêmes que ceux que j'avais pour entrer à l'Opéra de Paris. Merci. Tu vas être une grande danseuse, tu sais, ma chérie. On a encore plein de belles choses à faire ensemble. J'avais peur que tu sois déjà partie. J'attends Zachary. C'est lui qui vient me chercher. T'as des nouveaux chaussons?
C'est Sacha qui me les a offerts. Ils sont magnifiques. Ouais, tu vas faire un carton avec ça à New York. C'est ta maman qui nous a dit. On sait que tu étais avec Zachary samedi après-midi. Vous avez bien dû parler tous les deux, non? Zachary a appelé son avocat juste après. Il voulait savoir si tu pouvais vivre aux États-Unis sans son autorisation. Et la réponse était oui. Il n'a aucun droit légal sur toi. Maman m'a dit qu'il viendrait s'installer près de chez nous. Je voulais pas l'abandonner, je vous le promets. Sybille, écoute-moi, c'est très important. Est-ce que tu étais avec ton père sur Skype au moment de l'assassinat de Lorraine Fabian? J'aurais pas dû lui dire que je partais. Jamais j'aurais dû accepter de partir. Ce soir, Mademoiselle Charlet, c'est la fête. Kebab et cinéma, j'ai touché ma paye de chez... Pardon, papa. Elle nous a rien dit qu'on savait déjà. Que tu étais au courant de son départ et qu'elle t'aimait assez pour t'avoir trouvé un alibi pour le soir du meurtre. Désolé. Faut que j'appelle mon grand-père. Ton père tient bien trop à toi pour te laisser plus de 24 heures, il ne le supporterait pas. Tu vois? Mais j'allais partir à New York. Et alors? Mais ton père, il t'aurait rejoint aux États-Unis. Il a toujours eu de la ressource, ton père. Ma petite Sybille, depuis le premier jour, t'es comme un rayon de soleil. Et le soleil, depuis la mort de ma femme, on n'avait pas vu beaucoup chez Charlet. Oh, il est tard, là. Il faut que je te ramène chez ta mère. Oh non, je peux rester encore un peu. Ah non, non, j'ai pas d'histoire avec Adèle, là, surtout en ce moment. Adèle? Adèle qui? J'ai dit Adèle. C'est Joanne. Un moment. Adèle, c'était ta femme? C'était ta grand-mère, oui. Tu commençais à créer un lien avec Sybille. À devenir peut-être un père pour elle. Et là, Lorraine débarque et fait de ta fille la tête de gondole de ses ambitions. Elle allait vous séparer de votre fille et carrément mettre un océan entre vous. Inacceptable. Impardonnable de la part de Lorraine Fabian. Mon père avait raison. La tôle, c'est comme la clope, il faut jamais commencer. Regardez-moi, j'ai 35 piges. Je suis foutu, j'en sortirai jamais. Et Sybille, tu y as pensé? Ma fille, elle a pas besoin d'un boulet comme moi. Je vais la laisser vivre sa vie. Tranquille, loin de moi. C'est mieux pour elle. Avez-vous tué Lorraine Fabian? Faites-moi signer ce que vous voulez. J'en ai marre, je suis fatigué. Jean, ramenez-le en cellule. On reprendra demain matin. Zachary est complètement dévasté. Ouais, il n'a plus du tout envie de se battre, là. Sauf que s'il se laisse plonger, l'assassin reste en liberté. Mais il faut absolument qu'on retrouve le coupable avant que sa fille ne parte et que le parquet l'envoie en prison pour 20 ans. Ouais. Bon, bonne soirée, commissaire. Merci. Et moi? Ah, bonsoir, papa. Tu sais pas où est la tabatière en argent? Parce que Ludo voulait la faire réparer, sauf qu'il la retrouve pas. Alors j'ai cherché partout, hein, mais... Ludo? Oui, tonton? La tabatière. Ah oui, je sais. On la cherche partout avec Cordélia. Impossible de mettre la main dessus.
Je sais. On pourrait demander à Duncan, peut-être que lui, il sait où elle est. Duncan ! La tabatière, tu sais que t'as cassé. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu saurais pas où elle est ? Je voulais vous faire la surprise. Je l'ai fait réparer par quelqu'un très très bien à Lille. Et c'est dans ma chambre, so if you want, I can... Ah oui, elle est avec la chevalière et la montre de collection. Je crois qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Duncan ne travaille pas chez Wellington's. Enfin, plus. J'ai su en dernière année de droit des affaires à Oxford. Et mon nom complet, c'est Duncan Saint-Meridoux. Et j'appartiens à la branche écossaise de la Royal Family. Et mon père, c'est un lord héréditaire de la couronne. Juliette ne vous a pas menti. Nous sommes rencontrés chez Wellington. But Wellington, c'est appartient à ma famille. Et pour nous, c'est très important de travailler au début de l'échelle. Ah, c'est très bien, ça, oui. Mais pourquoi nous avoir caché tout ça? Je voulais être apprécié pour la personne que je suis et pas pour le statut ou l'argent ou les études que je fais. Mais alors la chevalière avec la couronne, tout ça? C'est le blason de ma famille depuis le Tudor. Et la montre, c'est le cadeau de George the Sixth to my grandfather. C'est grave la classe. I'm really sorry. Juliette m'a dit que vous êtes une famille très accueillante, très tolérante et qui ne juge pas le livre à sa couverture. Et elle avait tout à fait raison, mon petit Duncan. T'inquiète pas, pour nous, tu resteras toujours le même que celui qui a franchi notre porte, habillé comme un livreur de pizza. Hein, tonton? T'es déjà allé à Buckingham? T'as déjà rencontré la reine? Est-ce que c'est vrai que Charles ne sera jamais roi? Et t'as déjà rencontré William et Kate? Et leurs enfants, George et Charlotte, tu les as déjà vus? Tu te situes où exactement dans l'ordre de succession au trône? Enfin, concrètement, il faut combien de personnes meurent avant que tu deviennes roi? Tu sais, Ludovic, c'est très très compliqué. Ah, tu peux prendre... Oui. Ah, tu préfères qu'on t'appelle comment? Son Altesse, Son Excellence? Duncan, c'est très bien. Sa Majesté, bien ça. Hein? Sa Majesté. Tonton. Ah, mais t'as vu? Regarde. Des manoirs, des châteaux, des propriétés agricoles dans le nord de l'Écosse, de l'immobilier à Londres. Des hôtels, des grands magasins. Oui, et alors, Juliette est tombée amoureuse de Duncan, pas de l'argent de sa famille. Hop. Son Altesse. Voilà. Hop. Hop là, voilà, service à la française. Un petit peu de couscous, il est royal. Voilà. Oh, regarde. Tu es allé spécialement dans la cave de tonton pour ça. Mmh, voilà. Bien. Ah, très bien. Merci. Dis-moi, question retournement de veste. Toi, t'es un champion, hein? Mais pas du tout. Duncan et moi, on se connaissait pas vraiment, mais maintenant, c'est différent. Il est noble et riche. Bah, je vais pas m'interdire d'aller passer mes vacances d'hiver dans ses châteaux et mes vacances d'été dans ses villas. Oh non, ce serait pas gentil pour lui. Et puis surtout, ce serait oublier Lady Elizabeth, sa grande sœur. Mignonne, hein? Je suis sûr qu'elle va pas résister longtemps à mon charme débonnaire à la française. Lord Ludovic Magellan. Ça claque, hein? Ouais, tu ferais mieux de te trouver un métier avant de te marier, hein? Eh ben justement, je vais présenter tous mes projets à Duncan. Cette année, il termine son école de commerce. Bah, il va être à la recherche de plein d'opportunités pour lancer son business. Et heureusement, tu es là. Exactement, heureusement. Sinon, t'as le stylo fourchette. Ça, c'est un peu avant-gardiste, mais c'est pas mal. Sinon, concept très simple. Very simple concept, son Altesse. Tu vas voir. Tu loues un paparazzi pour une soirée, un jour, une semaine. Il te suit partout. Comme ça, les gens. Ils pensent que t'es connu. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, aujourd'hui? They want to be famous. Grâce à ça, tu rentres dans toutes les bars, boîtes, restaurants un peu huppés, et les filles, elles adorent ça. Girls like it. What do you think? Hein? Tiens, sinon. Ça va, ma chérie? Je suis désolée de t'avoir menti, papa. Je voulais pas, c'est juste que Duncan avait tellement peur. Non, mais t'inquiète pas, je sais très bien pourquoi t'as fait tout ça. Et puis je voulais te dire que le titre de ton petit ami, là, sa famille, son argent, là, je m'en fiche complètement. Je sais bien, papa. Mais j'ai toujours eu confiance en toi, Juliette. T'es amoureuse. Hein? Bah alors, c'est tout ce qui m'importe, moi. Ben, et moi? Oh. Bah toi, tu peux avoir ton papa tout le temps. Mais elle est quelle, hein? À chaque fois que je reviens, j'ai plus envie de repartir. Ça me fait quelque chose, je me sens triste. Ah. Oh.
Oui, je suis triste d'être partie comme ça, nous avoir laissé si vite. Ouais, c'est vrai que ton départ a laissé un grand vide, oui, mais je faisais ça pour toi. T'allais intégrer une très bonne école, t'allais te confronter à la vie, t'allais prendre ton envol, quoi. Ça sert aussi à ça, les papas. Mais crois-moi, ton départ, pour moi, ça n'a pas été très facile. Hein. Puis même si tu me manques, je sais que t'es heureuse à Londres. J'adore venir te voir, on fait plein de trucs toutes les deux. On fait des balades. On fait du shopping. Ouais. Et je suis sûre que ça va pas changer. Et puis Duncan, c'est un peu comme le grand frère que j'ai jamais eu. Ah oui, et Ludo alors? Ludo? C'est mon petit frère. Ta-da! Et voilà. Conceptuel, confortable, chic, les 3 C, le costucouette. Avec le costucouette, tu peux être vautré dans ton canapé, une bière à la main, à regarder le pire match d'Arsenal, et pourtant, tu restes le plus élégant. C'est le costume ultime d'intérieur. Hein? Tonton, qu'est-ce que t'en penses? Oh, formidable. Je t'en ai fait un. Très gentil. Pour la modique somme de 150 000 euros, on peut lancer une production de masse et devenir global. Worldwide. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Est-ce que c'est bien raisonnable de me parler sur ce ton, Madame Vitali? Je vous rappelle que je suis encore votre employeur. Vous n'avez pas le droit de me prendre Sybille. Ah oui. Il y a un lien particulier entre Sybille et moi. Pas seulement artistique. Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais moi... Moi, c'est ma fille. Pas biologiquement. Vous savez que vous êtes en train de la perdre. La Juilliard School, c'est juste pour l'éloigner de son père naturel. Zachary Charlet va être envoyé en prison pendant très longtemps parce qu'il a tué Lorraine Fabian. Je ne suis menacée par personne, Madame Vitali. Ni par lui, ni par vous. Mais je vais quand même vous virer pour mon plaisir personnel, tiens. Et puis je vais vendre l'académie, ça sera pour mes finances personnelles. Quant à ma fille, elle ira à New York pour intégrer l'une des meilleures écoles de danse du monde parce que je veux le meilleur pour elle. Et en attendant son départ, je vais trouver un autre professeur. Et je vais éviter l'ancienne danseuse aigrie qui cherche à vivre une nouvelle gloire par procuration. Bonne nuit, Madame Vitali. Vous avez bien dormi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça, c'est Ludo qui vend une nouvelle idée de business à Duncan. Une allocation de chèvre pour débroussailler ton la pelouse de son jardin. Enfin, elle vient d'où cette chèvre-là? Et c'est au voisin, tu sais, celui qui fait des fromages. C'est silencieux, c'est écolo, c'est fait pour les ruraux et les bobos. Hein? I love it. Ah, tu sais, Duncan, t'es pas obligé de... Non, je crois que ça peut être une très, très bonne idée parce que ça peut être un très gros succès à Londres et même en Écosse. Oh, t'entends ça? Duncan adore l'idée, il veut en être. Oh. C'est génial, c'est exactement le coup de pouce dont t'avais besoin. Ah oui. Hop, 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 hop. Toi qui répètes toujours que personne ne reconnaît ton talent, surtout papa. Oh, bah ça, je m'incline. Hein. Je m'incline. Bienvenue dans le monde des adultes. Tu sais, Ludovic, on ne perd pas de temps. Tu rentres avec nous à Londres. Oui. Toi, tu t'occupes de faire le business plan et moi, je m'occupe de trouver la banque. Ah oui. OK, but you must work in English. Of course. OK? Oui, lieutenant. Oui. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, je travaille. Nous aussi, on travaille. T'as les résultats du labo, tu me préviens? Ouais.
commissaire. La cause du décès? D'après le légiste, il est tombé la tête en arrière sur le billard et sa tempe a percuté l'ongle. Il est tombé, on l'a poussé, ou alors on l'a frappé. Regardez, il y a une petite ecchymose sur sa pommette droite. Exact. Il a reçu un coup au visage. C'est donc pas un simple accident. L'heure de la mort. Bah encore une fois, entre 23h et minuit. La victime était seule ici, donc aucun témoin. Et c'est à nouveau la gouvernante qui a découvert le corps. Sa femme n'est pas là? Bah apparemment, Joanne Monségur s'est disputée avec son mari en fin de journée. Donc elle a rejoint Sybille chez les Charlet et elles ont dormi là-bas. La clé de cette affaire, c'est Sybille. Oui, les deux meurtres sont liés. Quelqu'un tue pour l'empêcher de partir de Seignac. Lorraine Fabian et Amaury Monségur voulaient que Sybille parte à New York. Exactement. Et qui a le plus à perdre avec le départ de la jeune danseuse? Sacha Vitali. Je vais la chercher et je la ramène au commissariat. Moi, je m'occupe de Zachary Charlet. Ouais, pour le coup, on est sûr qu'il est innocent. Ouais, tant mieux pour Sybille. Un couple de clients du relais Monségur affirme vous avoir vu à l'hôtel hier soir. Vous aviez l'air très énervé. Vous veniez d'apprendre le départ de Sybille pour les États-Unis. Il serait temps de nous dire la vérité, vous croyez pas? Hier soir, Amaury Monségur m'a dit que Sybille partait et qu'il me renvoyait de l'académie. Ce qui m'a vraiment fait très mal, c'était pas de perdre une danseuse, ni mon travail. C'était d'imaginer ma vie sans Sybille. J'ai réalisé la place qu'elle avait prise dans ma vie. Ma vie de femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant. J'étais passée à côté de Lorraine quand elle avait le même âge. Je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs avec Sybille. Je crois que je lui ai montré à quel point elle comptait pour moi. Madame Vitali, vous vouliez faire de votre élève une danseuse étoile à tout prix. Oui, parce que Sybille en a l'envie et les capacités. Mais si c'était uniquement sa carrière qui m'avait intéressée, jamais je ne l'aurais laissé faire de la boxe avec son grand-père. Ah bon? Vous étiez au courant? Max Charlet est un homme bien, intelligent, honnête. Je crois que j'aurais pu accepter le départ de Sybille aux États-Unis s'il était parti avec elle. C'est la seule personne en qui j'ai vraiment confiance. Vous connaissez très bien Max Charlet. On a un passé de compétition en commun. La boxe, la danse. Et on a tous les deux arrêté à cause de graves blessures. Quel genre de blessures? Trauma crânien à répétition. Mon mari était le médecin de Max, et c'est lui qui lui a interdit de continuer la boxe. Vous savez quel médecin a suivi Max après la mort de votre mari? Vous passez par l'accueil. Merci. Et vous signez là. Zachary, je te signifie la fin de ta garde à vue. Tu restes bien entendu sous contrôle. Ça va, je connais la chanson. Évidemment. C'est parce qu'Amaury est mort que je sors? Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je pense à ma fille. J'imagine qu'elle est triste. Elle a dormi chez Max avec sa mère. Tu devrais aller la voir. Je crois qu'elle a besoin de son père. Peut-être que si j'avais connu un flic comme vous un peu plus tôt, je ne serais pas là aujourd'hui. Il est jamais trop tard pour changer, Zachary. Ouais. Je suis désolé pour Amaury. C'est que... t'as beaucoup de peine et je voulais juste te dire que je suis là. Je sais. Depuis que je t'ai rencontré, je veux juste être un bon père pour toi. Un bon fils pour mon père. Quelqu'un de bien, quoi. En fait, tout ce que j'ai jamais été avant. Et même si j'ai fait de la prison, je voudrais que tu sois fier de moi. Puisse vivre ensemble, heureux. Je
commissaire, si vous venez chercher Sibyl, sa mère est déjà en route pour la ramener chez elle. Ah, non, on vient voir ton père. Ah, lieutenant, commissaire, bienvenue. Vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous servir une anecdote sur mon boxeur ukrainien. J'ai pas encore pris l'apéro. C'est ce que vous vouliez faire croire à vos fils, mais vos pertes de mémoire, vos absences répétées... Vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec l'alcool. Nous avons parlé avec votre médecin, monsieur Charlet. Vous souffrez de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi vous n'avez rien dit à Jimmy et à Zachary? Je voulais pas être un boulet pour mes mômes. C'est à leur charge un père qui débloque. Alors, dans ce genre de maison spécialisée, ça coûte un bras. Eux, ils ont pas une thune. En prison, en revanche... Lauren n'aurait jamais dû revenir. Enfin, pas comme ça. Pas en vous prenant votre petite fille. Vous aviez choisi Joanne comme fille d'adoption et puis... la vie vous offrit Sibyl, une merveilleuse petite fille, une vraie Charlet. Il voulait vous l'enlever, à vous et à Zachary, qui commençait justement à être un véritable père pour Sibyl. Et surtout, le fils dont vous aviez toujours rêvé. Alors pour ça, vous avez tué Monsieur Charlet. Deux fois. Vous saviez que vous étiez malade et que vous n'aviez plus rien à perdre. Pour Amaury, c'était un accident. Je vais aller le voir pour essayer de le convaincre qu'il laisse Sibyl ici, à Seignac. Il n'a rien voulu savoir. Puis les Montségur ont toujours été d'une telle arrogance. Alors je lui ai mis un coup de poing, il est parti en arrière, sa tête a heurté le coin du billard. Je regrette. Vous leur direz? Bien sûr. Pour les bijoux de Lorraine, ils sont dans ma remise, dans mon placard, dans un sac. Je voulais rien en faire, mais je sais, Maxime. Depuis que je suis môme, j'ai toujours évité les mauvaises fréquentations, les mauvaises relations. Et dans le milieu d'où je viens, c'était pas facile, croyez-moi. Sur le ring, je me suis jamais couché pour du pognon. J'ai toujours resté droit. Il a fallu que j'attende 70 balais pour devenir meurtrier. Je peux vous demander quelque chose? Fais toujours confiance à ceux qui t'aiment. Puis surtout, faut que t'écoutes ta maman. Elle est formidable. Pour ton père, ça va prendre un peu plus de temps. Faut pas lui demander du jour au lendemain d'être un père idéal. Mais je te parie qu'il va y arriver. Tu me crois? D'accord. Viens me voir le mois prochain. Duncan, ah, ça y est, je suis arrivé. Naturellement, tu peux revenir quand tu veux, la maison t'est grande ouverte. Merci beaucoup. Ben, c'est le taxi. Ludo! Ludo, viens vite, on va rater le train! Ludo! J'ai bien réfléchi, je peux pas partir avec vous. Quoi? Oui, non, je peux pas laisser Tonton et Cordélia tout seuls. Je veux pas leur faire revivre le traumatisme d'un départ.
J'ai pas le droit de leur faire ça. Bon, Ludo, je t'appelle dès que je suis à Londres et on va pour le projet. Oh, merci, Duncan. Bisous, mon Ludo. Duncan. Ma chérie. Ma chérie. Tu m'appelles quand t'es arrivée. Oui, bien sûr. Et tu prends soin de toi. Mais oui, t'inquiète pas. Et merci pour la réparation de la tabatière. Hein. Grandis si vite. Dis-moi, tu peux m'expliquer pourquoi t'as laissé passer une occasion en or de réaliser tes rêves? Je crois que je suis pas fait pour être patron. Ouais, c'est trop de responsabilités, ça prend trop de temps sur la vie privée. Et puis j'ai pas envie de me faire bouffer par le système. Ouais, j'ai une morale, hein. L'argent, ça doit pas être un but dans la vie. Ça doit être un moyen de s'épanouir personnellement. Et tu comptes t'épanouir comment maintenant? J'en ai aucune idée. Ah. Je crois qu'il va falloir que je continue à me chercher. Ça fait beaucoup d'émotions quand même tout ça. Ouais. Oh, la vache. Oh bah non, la tabatière, on venait de la faire réparer. Ah ouais, je fais un mal de chien avec cette saloperie. Ouais, mais c'est quand même la tabatière de ta grand-mère. Oui, j'ai toujours trouvé moche. Et puis mamie Jacqueline, elle a toujours été méchante avec moi. Elle me privait de dessert sous prétexte que j'étais un mollusque qui ramassait jamais ses assiettes. Elle a pas tort, d'ailleurs. Cordélia, tu peux m'attraper ma BD, s'il te plaît, et aller me chercher un grand verre de citronnade. Merci. Ah. Et voilà. Ça recommence. Thank you.